La Manufacture 49, c'est un atelier de fabrication de chaussures en France qui est implanté à Montjean-sur-Loire, pas très loin d'Angers, depuis 1927. Nous sommes dans une industrie qui est massivement délocalisée. On a besoin de faire savoir qu'on existe, qu'il y a un savoir-faire français et qu'on peut faire de très belles chaussures en France. Alors la solution idéale pour le faire, ce serait d'arriver à se réaligner sur les mêmes modes de fonctionnement que la concurrence. En d'autres termes, nous sommes en concurrence frontale avec des pays européens à bas coût ou des pays asiatiques à très bas coût. Nous sommes dans une industrie de main-d'œuvre, ce qui veut dire que nous avons énormément de mal à être compétitifs en matière de prix. Le choix, par exemple, que nous avons fait à la manufacture, c'est d'essayer de sortir de cette compétition prix pour développer d'autres choses. Je vais donner trois exemples. Le premier, c'est l'axe serviciel. Par exemple, nous fournissons le back-office de l'atelier bocage. L'atelier bocage, c'est de la location de chaussures. L'idée, c'est que la cliente va aller louer des chaussures en magasin, elle va les ramener en magasin et Bocage va nous renvoyer ses paires. Nous, on va les reconditionner à l'usine et elles seront revendues en seconde main. Donc ça, c'est un service qui est nouveau et qui ne peut être fait que parce qu'on est en circuit court. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est ce qu'on appelle le réassort rapide. Si on arrive à co-construire avec la marque des chaussures qui est à s'entendre sur certains approvisionnements de stock de cuir. Étant donné qu'on est en circuit court, qu'on est proche, on peut réassortir les magasins très rapidement. Donc ça, c'est un vrai axe de différenciation. Le dernier exemple, c'est ce que nous avons lancé ici, c'est notre marque en propre qui s'appelle Cécile. Et ce ne sont pas des chaussures traditionnelles parce que ce sont des chaussures qui sont éco-conçues, réparables, recyclables et entièrement faites en France.